fait que la faveur de Dieu soit sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Yes, we don't serve a dead God. We serve a mighty God who is the same yesterday, today, and forever. Let the favor of God locate you where you are right now in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonne arrivée ce matin à tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Éternel Dieu des armées pour ta bonté. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Alléluia. Quelque chose de bon va se passer. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Une semaine vraiment où quelque chose qui était quelque chose qui était, comment on appelle, gâté par l'ennemi sera restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grandeur dans la vie de tous tes enfants en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rambabaya kendebo, rendebo koriya dabaya santa, kendebo kose, randabaya santa. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Cette semaine, Dieu a mis des choses à part, vraiment pour l'avancement de son œuvre à travers ta vie, à travers la vie de tous ceux-là qui sont à toi, de tous ceux que tu aimes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste dans la vie de celles-là qui regardent en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons continuer à partager notre vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas partager, c'est ta part. Tu vas faire tes 20 partages. Tu vas faire tes 20 partages dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel Dieu des armées pour tes bienfaits. Alléluia. Quelqu'un me regarde ce matin. Alléluia. Regarde, ce jour a été mis à part pour que toi tu sois délivré. Ce jour a été mis à part pour que toi tu sois délivré. Alléluia. Sakabaya sandebo kosi kababa. Rendebo kosende. Riyanababaya sandebo kosite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Personne n'est comme toi. Merci Jésus. Rondo boko si kababa ya sata. Randa baba ya sendebe ye kendebo. Rindebe kosi kabaya tende loba. Alléluia. Merci Éternel Dieu des armées. Papa Yahweh, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes dans la vie de tes enfants ce matin. Ouvre les portes dans la vie de celles-là qui regardent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la porte dans la vie de Living Word. Ouvre la porte dans la vie de Josette. Dans la vie de Espoir ZV, dans la vie de Louise Adam. Ouvre la porte, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Je vois des portes d'opportunité qui ont été fermées, des portes d'opportunité qui sont fermées. Que ces portes soient ouvertes ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rambabaya sendebo, rendebobo kosika, randabaya sendebebe keshente. Que les portes s'ouvrent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je vois quelqu'un, regarde, quelqu'un que je vois actuellement, je vois une proposition de fiançailles qui vient vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Moi je suis en train de partager. Alors je t'encourage de faire aussi aussi comme moi. Alléluia. Merci Seigneur. Rende bobo kosi kababa ya sanda. Rende bebe kerende be kosi de bobo randa baba ya sanda. Rende bobo yosi karana baya sanda. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes, alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un me regarde actuellement, ta situation est mélangée. Pendant que je parle actuellement, regarde, l'esprit est en train de te parler. L'esprit est en train de te dire que avant la fin de ce programme actuel, toi tu auras ta délivrance. Toi tu auras ta délivrance. Alléluia, alléluia. Je parle de quelqu'un qui me regarde actuellement.
Reçois et reçois dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, pour tes bienfaits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Randabaya sendebo kosika baya sendebo. Virginie Ouan. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu es actuellement, reçois la grâce de Dieu. Que la rivière de bénédiction qui coulait dans ta vie avant commence à couler encore dans le nom de Jésus. Parce que voici un moment que tout est arrêté, rien n'avance. Je parle de Virginie Ouad. Reçois maintenant cette grâce de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rande bobo, corini bayo sande boliera bakasanda, rende beke shente. Voici une nouvelle semaine, une semaine remplie de la bonté de l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia, alléluia. Que tout ce qui est de vallée dans ta vie soit comblé, que tout ce qui est de montagne dans ta vie soit dégagé dans le feu du Saint-Esprit maintenant même. Alléluia, alléluia. Zeka baba yasende, randa baba yasanda, broba kosokebe, rinde bebe yesinda, barada baya sanda. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mambo Braya Santa. Merci Seigneur. Welcome to Shelian. You are blessed. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Sally. Sally, you are blessed. Rente Boya Samba Yasanda. Merci Seigneur. Merci Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Je vois la bonté de l'Éternel dans la vie de quelqu'un ce matin. La bonté de l'Éternel. Voici une nouvelle semaine, c'est la semaine de la bénédiction. Une nouvelle semaine, c'est la semaine de la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la semaine de la délivrance dans le nom de Jésus. Sois élevé, Éternel, Dieu des armées, dans la vie de tes enfants. Sois élevé, Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Thank you, Lord. Zeka baya sanda baya sendebo. Rita kababa yasanda. Rende bebe. Merci, Seigneur. Allez, on partage la vidéo. C'est ça, toi, ta part de cette grâce. Alléluia. Faut partager la vidéo dans le nom puissant de Jésus. On partage. Les prophéties arrivent. Alléluia. Les prophéties arrivent. Mais il faut que toi, tu partages pour que ceux-là qui vont recevoir leurs prophéties, tu vois, pour que ces personnes soient présentes dans le nom puissant de Jésus. Rende bobo. Rata kabaya sende boko solele baye tenda. Rende bori yanaba. Et il faut aimer notre vidéo. Alléluia, il faut aimer notre vidéo. Alléluia, c'est très important. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Merci Éternel, Dieu des armées. Personne n'est comme toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Seigneur, tu es unique. Le lion de la tribu de Juda, le Dieu des cieux. Celui qui ouvre les portes dans la vie de ses enfants. Celui qui déclare et sa déclaration s'exécute. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Renda baya sada. Rendebo kosika baba ya sendebo. Randa baba ya sendebebe keshinda. Randebo riyada baya sandebobo. Rendebe. Rakabaya sande boboko suka beye rande boko sika barada baya sanda. Oh merci Éternel Dieu des armées, merci Éternel Dieu des armées. Seigneur, merci pour ta bonté dans la vie de tes enfants. Merci pour les bonnes portes d'ouverture dans leur vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Thank you Lord for your goodness. Alléluia. Alors nous sommes là ce matin, nous sommes là pour commencer notre semaine. Nous sommes là pour commencer, alléluia, la manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Nous sommes là pour commencer nos programmes. Et je te le dis, en cette semaine, tu vas recevoir ta délivrance de ces rêves qui sont mauvais que tu fais et qui ne t'en font pas avancer. Ces rêves qui te bloquent, ces rêves qui te retardent, ces rêves qui t'envoient en arrière dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta liberté, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel Dieu des armées. Randabaya sende bokoridibe, randababaya sande bebe keshente. Merci Seigneur, merci pour ce jour. Alléluia. Adoni la gloire. Tu es béni, la grâce de Dieu dans ta vie maintenant même dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois l'Éternel se manifester, l'Éternel se lever. Quelqu'un me regarde actuellement. Tu es entouré de loups. Je veux parler. Tu es entouré de quoi? De loups. C'est-à-dire quoi? D'adversaires. Voilà. Tu es entouré d'ennemis. Alléluia. Mais Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu se manifeste dans ta situation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Sekabaya Santa, Baya Santa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rosa Ngo Njike. Rose Ngo Njike. Alléluia. Mets ta main sur ta tête ce matin. Mets ta main sur ta tête. Rose Ngo Njike. Mets ta main sur ta tête ce matin. Seigneur, ta grâce. Seigneur, localise-la. 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 Fire by fire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un reçoit sa délivrance déjà. Regarde, cette semaine qui a commencé, c'est la semaine de la bénédiction. De tout un chacun, de tout un chacune de vous qui regardez ce programme actuellement en direct. C'est la semaine de percée au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a été bloqué dans la semaine passée, cette semaine aujourd'hui qui commence le 8, c'est la semaine de percée, la semaine de restauration, la semaine de victoire, la semaine d'autorité. Tu vas prendre autorité sur ta situation. Cette semaine, ce qui ne marchait pas, marchera au nom de Jésus. Crie Amen, crie Amen, crie Amen. Alléluia. Alléluia. Zokabaya Santa. Alléluia. Alors, on commence la prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Dis avec moi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Dis avec moi, Saint-Esprit, je fais des rêves, mais je ne comprends pas. Je fais des rêves, je ne sais pas de quoi il s'agit. Esprit Saint, prends le contrôle. Quelqu'un n'a qu'à prier. Quelqu'un n'a qu'à prier. Quelqu'un n'a qu'à prier. Quelqu'un n'a qu'à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à prier. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Partage. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Prends le contrôle. Zeka Baba Yasanda. Rende Bobobo. Rende Bobo. Rende Bobo. Risa Kaudele Boke Shintabala Yatande. Oh, merci Seigneur. Esprit de paix. Esprit de paix. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce programme. Prends le contrôle dans ma vie. Aide-moi à me rappeler. Mes rêves dans le nom puissant de Jésus. Ratakaba yasandebo, rendebobo, rida baba yasandebe, rendebe, rendebe, ratakoba yusendebo, rida baba yasanda. Merci, roi des rois, Seigneur de gloire, Dieu de paix et de bonté, Dieu de joie et de fidélité, Dieu de bonté, Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Quelqu'un est béni ce matin, quelqu'un est restauré ce matin, quelqu'un est restauré ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remba baba yasanda. Rebobo, rebobo, ria baba ya sende boka sote bo, ranta karaba ya sande bebeke shinta. In the mighty name of Jesus Christ, Holy Ghost, your fire, Holy Ghost, your fire. Que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de celle-là qui me regarde ce matin, dans la vie de celui-là qui me regarde ce matin. Ta porte doit s'ouvrir, ta porte doit s'ouvrir, ta porte doit s'ouvrir. Regarde ici, la porte de mariage doit s'ouvrir dans ta situation. Je parle de Léa. Amena, Léa, Amena, ta vie de mariage est mélangée, ta vie de mariage est menacée, ta vie de mariage est mélangée, dans le nom puissant de Jésus, je parle, je prophétise, je décrète dans ta situation, il faut un changement. Ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui se mettaient de l'autre côté pour te regarder et te vilipender, dans le nom de Jésus, la faveur de Dieu se manifeste dans ta situation et tu verras la main de Dieu dans une dimension très élevée que toi-même Tu ne vas même pas croire que ce que Dieu sera en train de faire dans ta vie. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui me regarde actuellement. Tu as fait un rêve. Tu étais mort dans le rêve. Est-ce que je vais croire? Non, je voulais vraiment faire d'abord les prières de fondement avant de rentrer dans les prophéties. Mais je vois quelqu'un. Tu étais dans un rêve. Tu as fait le rêve. Et dans le rêve, tu étais mort et on faisait les funérailles. C'est-à-dire que toi, tes funérailles. Et toi, tu étais là, tu les voyais et on faisait tes funérailles. Quelqu'un me regarde
actuellement. Tu étais mort dans ton rêve. Envoie confirmation. Je ne veux pas les confirmations qui viennent après le programme dans mon WhatsApp là. Les confirmations que vous pouvez envoyer après le programme sur mon WhatsApp, ce sont les confirmations qui parlent des vies privées. Ah ah, voilà. Quand c'est très privé, il ne faut pas mettre de commentaires. Il ne faut pas confirmer un commentaire parce que je ne veux pas que les gens commencent à parler de toi puisqu'on ne sait pas qui est qui sur le Facebook. Alléluia. Mais quand c'est les prophéties simples, voilà, il faut les confirmer pour aider ceux-là qui sont en train de regarder. Tu es mort dans le rêve, on faisait tes funérailles, tu étais présent pendant les funérailles. Qui est cette personne? Alléluia, alléluia. Je continue. Ronda Baya, Sikabalo Kande, Renteke Bayo, Shaunde Bora Baya Salt. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. Notre prochain sujet de prière, c'est quoi? Nous allons demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Donc, en point numéro 2, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai péché. Oui, mes péchés ont fait que ta main est devenue courte. Mes péchés ont fait que tes oreilles étaient fermées à mon cri, à mes cris. Alors, Père, pardonne-moi. La Bible dit que quand Dieu te pardonne, il oublie tes péchés. Quand Dieu te pardonne, il oublie tes iniquités. Quand Dieu te pardonne, il te donne une nouvelle position. Il te donne un nouveau poste dans le nom puissant de Jésus. Reçois la percée, reçois le pardon. Pendant que tu demandes le pardon, ceux qui t'ont offensé, dis à Dieu que tu les pardonnes. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont fait tort, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont mal fait des choses. Je les pardonne au nom de Jésus. Papa Yahweh, pardonne mes fautes, pardonne ma maison, pardonne ma relation, pardonne ma manière dont j'ai utilisé mes finances. Oh Dieu, pardonne-moi. Quelqu'un prie. Regarde, faut te repentir. Tu demandes pardon et tu te détournes de ces mauvaises choses. Tu demandes pardon et tu te retournes de ces péchés dans le nom puissant de Jésus. Demande pardon. Je parle à Rokiatu. Je parle à Elali. Je parle à Rebecca. Alléluia. À Josette. Je parle à Pella Sophia Babé. Je parle à Marie Uriel. Dans le nom puissant de Jésus. Sois pardonné dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Après avoir demandé pardon, dis merci à Dieu. Quelqu'un dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il enlève les montagnes devant toi. Dis merci à Dieu parce qu'il enlève les vallées du devant toi. Dis merci à Dieu parce qu'il fait pleuvoir sa pluie de bénédiction dans ta vie. Dis merci à Dieu parce qu'il fait couler sa rivière de percée et de délivrance dans ta vie. Dis merci à Dieu parce qu'il fait, il envoie sa faveur dans ta vie. Quelqu'un n'a qu'à dire merci à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Colossiens 3, 17 qu'en toute chose, il faut qu'on dise merci à Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Dis merci à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a réveillé ce matin. Dis-lui merci parce qu'il a étendu sa main de pitié dans ta vie ce matin. Dis-lui merci parce qu'il te donne accès au trône de la gloire ce matin. Dis merci au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci. Nous disons merci. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans le programme du jour, dans le nom puissant de Jésus. Dis merci. Si ce n'était à cause de Dieu, toi qui me regardes actuellement, il y a plusieurs qui me regardent actuellement, la mort aurait déjà pris le dessus de votre vie. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est merveilleux, parce que Dieu est bon, il est bon et en lui, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu n'est pas mauvais. Il est bon aujourd'hui, bon hier, bon demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Quelqu'un prie avec moi. Voici la quatrième prière que tu vas faire ce matin. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Regarde, mets le sang de Jésus sur toute la semaine. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a eu la victoire sur l'esprit de mort. Mets le sang de Jésus sur toute ta semaine. Parce que Satan se manifeste et veut détruire beaucoup de vies en cette nouvelle semaine. Satan veut détruire beaucoup de vies en cette nouvelle semaine. Des accidents qu'il a préparés, des accidents qu'il a programmés. Mais dans le nom de Jésus, pendant que tu réclames le sang de l'agneau sur ton chemin, le sang de l'agneau dans ton foyer, le sang de l'agneau dans ton ministère, le sang de l'agneau dans
dans ta famille, le sang de l'agneau dans la vie de tes enfants. Come on now, ask for the blood of Jesus Christ in your life. Pray for the blood of Jesus in your businesses. Pray for the blood of Jesus in your situation. By fire, by thunder, in the mighty name of Jesus, le sang de Jésus, the blood of Jesus in your house, le sang de Jésus, the blood of Jesus in your family, le sang de Jésus, the blood of Jesus in everything that you are doing. Receive it right now in Jesus' mighty name. Somebody gotta ask for the blood. Somebody gotta ask for the blood. Prie pour le sang. Prie pour le sang. Hallelujah. Rokiatu Danogo. Regarde, réclame le sang. Réclame le sang. Dis avec moi, sang de Jésus, sois de ma vie, descend de ma vie. Quelqu'un dit avec moi, sang de Jésus, lève-toi et combat ceux qui veulent me combattre. Sang de Jésus, lève-toi et brise ceux qui veulent me briser. Sang de Jésus, lève-toi et détruis ceux qui veulent me détruire. Sang de Jésus, lève-toi et défends ma cause. Expose ceux qui veulent m'exposer. Oh, sang de Jésus, lève-toi by fire. Lève-toi by fire. Lève-toi by fire dans ma situation. Alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Merci éternel Dieu des armées. Quelqu'un reçoit sa délivrance en ce moment présent. Dans le nom de Jésus, si tu n'as pas fait tes 20 partages, il faut faire tes 20 partages. Right now, faites 20 partages dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reta kabaya sande boloyo kotinde. Awande babo ya soto koridi bikishinta. Randa babaya sata. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce matin. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Demande avec moi la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie, maintenant même au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais, dans le nom puissant de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends le contrôle. Rakabaya Sendebo, Riyanabaya Shendebobo, Ritekebeke Shindababaya Sanda. Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle dans la vie de celle-là qui regarde actuellement. Ratakabaya Sendebo, Riyanabaya Sendebeke Shinda. Rendebo, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Rien de beke shit. Randa baba ya sanda. Brobo yo sote keba. Rien de baba ya sanda. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant même. Nous voulons ton feu. Déclare le feu de l'Esprit de Dieu dans cette situation. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit dans ce moment de prière. La puissance du Saint-Esprit. Les âmes spirituelles. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, manifeste ton autorité. Manifeste ton autorité. Rakabaya Santa. Rende Bokosi Kabaya. Rende Bebe Keshende. Riyada Babaya Sande Bobokosi Kababa. Ratako Riyada Baya Santa. In the mighty name of Jesus Christ. Quelqu'un est béni en ce moment. Quelqu'un est béni. Si tu ne fais pas de ces personnes qui sont bénies, crie Amen. Alléluia, alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Alors nous allons faire le combat. Nous allons faire le combat spirituel ce matin dans le nom puissant de Jésus. Comme je vous l'ai dit, que tout ce qui est comme les noms des démons ne sont pas vraiment, on ne va pas chercher ça loin. Ce que le démon fait, c'est son nom qui est là. Si tu as mal à la tête, c'est un esprit de mal de tête. Tu as mal aux pieds, c'est un esprit de mal de pied. C'est très simple. Il ne faut pas te casser la tête, aller chercher un démon guerrier, démon familial, démon ceci. Et puis tu vas te retrouver. Le démon va te dire que oh, tu ne connais pas mon nom, donc tu ne peux pas me chasser. Regarde, appelle le démon selon les actes qu'il pose contre ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu as un problème de division, appelle le problème démon de division. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux le chasser selon la parole de Dieu. Je te chasse, toi esprit impur de division. Je prends autorité, je détruis tes œuvres. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis tes œuvres. Au nom puissant de Jésus, démon de l'enfer, je viens contre toi par le feu du Saint-Esprit. Libère la vie de celle-là qui regarde. Libère la vie de celui-là qui regarde. Libère la vie de ce couple qui regarde. Toi esprit impur, toi esprit méchant, je viens contre toi. La parole de Dieu dit que tout pouvoir
m'a été donné, que tout pouvoir a été donné à ma personne. Alors j'ai le pouvoir de détruire tes œuvres, j'ai le pouvoir de te lier, j'ai le pouvoir de te chasser. Esprit impur, je te chasse ce matin, je te chasse ce matin. Libère ma semaine, libère ma relation, libère ma santé, libère mon mariage, libère, libère, libère mon papier, libère mon voyage, libère mes finances dans le nom puissant de Jésus. Oh, rakabaya sande bobo, riana baya santa, rende boko so baka santa, fire by fire, fire by fire, quelqu'un m'envoie, fire by fire, fire by fire, in the mighty name of Jesus, roko boyo sika baya santa, in the mighty name of Jesus. Oh Seigneur, merci, merci pour ta grâce, parce que tu délivres tes enfants ce matin. Alléluia, alléluia, samba, 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 reboko so kabaya sintele, rende baya santa, in the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. J'ai besoin de deux personnes qui peuvent parler en langue. Alléluia. Si tu peux parler en langue, deux personnes. Commence déjà à parler en langue dans le nom puissant de Jésus Christ. Rakabaya sendebo, riadabaya sanda, rodoboko sokolo, koloboko soki bakashata, ridababaya sendebo, riadabaya se, ratatatatata, ratatatatata. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Parle en langue. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est merveilleux. Quand nous adorons Dieu, nous parlons de la grandeur de Dieu. Ça veut dire que de la grandeur de sa personne. Nous parlons de qui il est dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, personne n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Father God, the King of Kings, the Lord of Lords. Nobody is like you. Nobody can compare with you. Father God, you are the same yesterday, today and forever. Whatever you say is established. Your ideas takes form in the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, tout ce que tu dis arrive à son accomplissement. Tes idées se réalisent. Tes pensées sont exécutées. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Enfant de Dieu, est-ce que tu es là ce matin? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Randebo, rendeba, randebo kosoke. Ikabaya sande bobo li dalele yese tabaya sanda. In the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire, fire, fire. Oh, just like the day of Pentecost. Let the fire descend, let the fire descend, let the fire descend. Comme le jour de la Pentecôte, que le feu descende dans la vie de celle-là qui regarde actuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que tu es là, tu attends, tu es là attentivement par rapport au programme des rêves. Cette semaine, on va parler de vraiment au moins 30 rêves qui sont mauvais et vraiment qui ont besoin d'être combattus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin dans le nom de Jésus? Randa babaya sendebokosi kabaya shada, in the mighty name of Jesus. 30 mauvais rêves et expliqué et combattu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, je vais commencer l'enseignement. Il faut partager nos directs. S'il te plaît, partage nos directs. N'attends pas à ce que je te dis de partager. Tu dois continuer, tu dois constamment partager, continuer de partager dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Alors, partage dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Rêve, selon le livre de Job, chapitre 33, verset 14 au verset 18. Alléluia. Selon le livre de Job. Alléluia. Donne-moi une seconde dans le nom puissant de Jésus. Rika baba ya sanda rende boko sika bara da baya sende. Bravo ya sanda baya sende mori ya da baya sanda rende beke shende. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais mettre comment on appelle ça? Ce verset, et je vais lire le verset rapidement pendant que on avance. Alléluia. Donc, nous cherchons Job 33. Merci Seigneur. Job. Alléluia. 33. Job 33, verset 14 à 18. Alléluia. Voilà. La Bible dit quoi? Que Dieu parle tantôt, cependant, d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ici, il est question de la manière dont Dieu parle.
Mais il arrive que l'homme ne prend pas garde à ce que Dieu est en train de dire. Il parle par des songes. Hein? La Bible continue en disant, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia, alléluia. Merci Éternel Dieu des armées. Ora kabaya sada, rende bokosi kababaya sada. Alléluia. Alors on se retourne sur notre enseignement. Alléluia. La Bible dit ici que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a plusieurs manières de parler. Alléluia. Dieu parle dans les visions, Dieu parle dans les rêves. Et ici, nous sommes en train de parler des rêves. Nous sommes en train de parler des gens de rêve. Et l'explication que je t'ai donnée la semaine passée, j'ai dit qu'un rêve est une succession d'images, d'idées, d'émotions et de sensations qui se produisent habituellement et involontairement dans l'esprit. Dans l'esprit or in the mind, comme les Anglais le disent, pendant certaines étapes de notre sommeil. Alléluia, alléluia. Continue de partager. Continue de partager. Alléluia. Alors, j'ai pris l'exemple du rêve, le rêve de Joseph. Joseph qui était un des enfants de Jacob. Joseph a fait des rêves où Dieu lui a montré son destin. Dieu lui a montré ce qu'il voulait faire dans sa vie. Alléluia. Nebuchadnezzar aussi, qui était le roi de Babylone, a fait des rêves. Dieu lui a montré des choses qui allaient se passer. Mais Nebuchadnezzar, il ne comprenait pas. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour pouvoir lui interpréter. La même chose s'est passée dans la vie de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, le roi qui a pris la place de son père quand son père était mort. Alléluia. Il y a aussi Joseph. Joseph a eu des rêves quand Jésus était encore petit. Il était encore bébé et Hérode voulait tuer tous les petits garçons de moins de 2 ans. Joseph a eu le rêve de quitter le lieu et d'aller se réfugier en Égypte. Et à cause de cela, Joseph a sauvé la vie du petit Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de rêves dans la Bible. Pharaon aussi a fait quoi? Pharaon a rêvé et il ne comprenait pas ce qui se passait. Et c'est à cause de ça, la promotion a été donnée à Joseph quand Joseph a expliqué le rêve de Pharaon et il lui a donné des instructions comment faire vraiment pour s'en sortir de cette situation. Alléluia. Donc voilà un peu en général, voilà un peu ce que c'est que les rêves. Un rêve est une succession d'images, d'idées, d'émotions et de sensations qui se reproduisent habituellement, involontairement dans l'esprit pendant que nous sommes en train de dormir. Alléluia. Alors, j'ai dit quoi? Il y a 2 genres de rêves. Rêves ordinaires et rêves extraordinaires. Et je veux plus parler des rêves qui sont extraordinaires, que j'appelle des songes ou bien des révélations ou bien des rêves spirituels. Alléluia, alléluia. C'est de ça que je veux parler. God is good. God is good. I'm talking about dreams in here. In the mighty name of Jesus. Alors, les rêves ordinaires, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la continuité de la pensée que tu avais avant de dormir. Un rêve ordinaire ou bien un rêve naturel ou bien un rêve qui est simple. C'est le rêve, c'est la continuité de tes idées. Alléluia. Tu pensais à quelque chose et tu t'es endormi. Les idées, émotions et sensations s'interprètent en images et défilent dans ton esprit. Est-ce que tu m'entends? Par exemple, tu étais en train de penser à, je sais pas, peut-être à voyager et puis voilà, tu continues, tu rêves et tu te retrouves dans un avion, tu es en train de voyager. Ou bien tu étais en train de penser à un frère et puis voilà, tu dors et puis voilà, tu vois le frère. Ça, ce sont des rêves qui sont ordinaires, des rêves naturels, des rêves simples. Alléluia. Maintenant, je ne parle pas vraiment de ces rêves. Je ne suis pas focalisé sur ce genre de rêves. Je suis focalisé sur les genres de rêves qui sont extraordinaires, comme vous le voyez sur l'écran. Est-ce que quelqu'un me regarde actuellement? Randabaya sendebo, rendebo kosi kabaya sada, rendebo kosi adabaya sende bébé. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un me regarde actuellement dans le nom puissant de Jésus. Si tu me regardes actuellement, regarde, il faut partager, il faut partager. Alléluia, il faut partager. Je vais finir avec ça tout à l'heure. Il faut partager dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il faut partager. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans le nom puissant de Jésus. Rêve extraordinaire. Les rêves ou bien les songes
spirituels. Ou, non, les rêves extraordinaires, ce sont des rêves spirituels que j'appelle des songes, alléluia, ou bien des rêves de révélation, alléluia. Dieu passe par là pour donner une révélation. Dieu passe par là pour donner un avertissement. Dieu ouvre les yeux de celui qui est en train de rêver, les yeux spirituels de ce dernier, afin de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Satan fait ses programmes. Dans le monde spirituel, Satan et ses sorciers, ils font leurs projets contre tout le monde, que tu sois chrétien, pas chrétien, ils font leurs projets contre le monde. Alors Dieu ouvre les yeux de ce dernier qui est en train de rêver afin de voir ce qui se passe. Dieu donne les informations, alléluia, afin que tu ne sois pas surpris. Est-ce que quelqu'un me regarde? Est-ce que quelqu'un me regarde? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alors si c'est un bon rêve, je ne suis pas en train de parler d'un bon rêve, alléluia, si c'est un bon rêve, la raison pourquoi Dieu montre ça, c'est pour que tu puisses soutenir ce rêve jusqu'à son accomplissement. Parce que Dieu te montre que voici, d'ici 3 mois, tu auras la promotion dans ce boulot. Alors c'est un bon rêve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas prier, tu dis Seigneur, je soutiens ce rêve. Il faut que ce rêve se réalise. Il faut que ce rêve se réalise. Tout ce qui s'élève contre ce rêve, je les brise, je les détruis. Il faut que ce rêve se réalise dans le nom de Jésus. Donc quand c'est un bon rêve, c'est comme ça tu pries. Alléluia. Maintenant, dans le cas que c'est des mauvais rêves, comme je suis en train de parler de ces mauvais rêves actuellement, tu te lèves et tu combats cela. Tu détruis ces rêves. Par exemple, tu te vois dans un accident qui va arriver, ou bien tu vois quelqu'un dans un accident qui va arriver. Tu te lèves et tu détruis. Tu te lèves et tu brises. Tu dis que je déclare la guerre contre l'accomplissement de ce rêve qui est mauvais. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Alléluia, très simple. Alléluia, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia, on va continuer maintenant, on va rentrer dans les rêves. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Il faut partager nos vidéos. On n'est pas loin de la fin. Il faut partager nos vidéos. You know, you need to share our videos. In the mighty name of Jesus. Partage nos vidéos. Alléluia. Je ferai vraiment mon mieux pour pouvoir lire les rêves que tu as faits. Parce que si je ne dis pas tes rêves, tu peux les mettre en commentaire si tu as besoin d'interprétation. Alléluia. Tu peux mettre tes rêves en commentaire. Mais ce n'est pas garanti que je vais lire tous les rêves en commentaire. Parce qu'il y a plusieurs commentaires qui sont là dans le nom puissant de Jésus. Je vais beaucoup me focaliser sur les rêves. Alléluia. Que j'ai noté dans mon enseignement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Éternel Dieu des armées. Alors, allons-y sur la page de ses rêves. Allons-y sur la page de ses rêves. Merci Éternel Dieu des armées. Dis, tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je commence avec quoi? Ouais, voici que tu te retrouves. J'avais parlé un peu de ça la semaine passée. Alléluia, mais plusieurs personnes m'ont écrit en disant que vraiment, ils ont besoin que je puisse revenir dessus encore. Alléluia. Alléluia, tu te retrouves dans une maison qui est inachevée. Tu te retrouves dans une maison qui est inachevée. Alléluia, tu te retrouves dans une maison qui est inachevée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, reçois ta liberté. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Rakabaya sende, bobako seki balalabaya sanda, in the mighty name of Jesus. Reçois ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que ta vie est incomplète. Ça veut dire que ta vie manque. Alléluia. Il y a des choses qui manquent dans ta vie. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Alléluia. Ta vie n'est pas complète. Que ce soit ta vie de mariage, ta vie de finance, ta vie vraiment, ta vie en global n'est pas une vie complète. Il y a des choses qui manquent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Voici que tu fais des rêves, tu te retrouves sans chaussures. Tu marches pieds nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie est incertaine. Tu n'es pas, alléluia, tu n'es pas stable dans tes voies. Tu n'es pas stable dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ta vie est incertaine. Ton lendemain n'est pas garanti. Regarde, tes investissements ne sont pas garantis. Ta vie est incertaine. Alléluia. Je veux 5 partages. Je veux 5 partages. Je veux que quelqu'un partage. Regarde, quelqu'un, 5 partages.
maintenant même, dans le nom de Jésus. J'arrête, je veux 5 partages, alléluia, 5 partages, dans le nom puissant de Jésus. Rakabaya sedebo, redebo kasekeri edabaya sanda, in the mighty name of Jesus Christ, alléluia. Voici encore, tu fais les rêves, mais quand tu te réveilles, tu oublies tes rêves. Quand tu te réveilles, tu oublies tes rêves. Tu fais les rêves, quand tu te réveilles, tu les oublies. Voilà. Alors, il arrive qu'au cours, au long de la journée, ce qui se passe est que tu te rappelles de certains fragments de ces rêves-là. Ça veut dire que certains petits morceaux de ces rêves, tu te rappelles un peu dans la journée, mais tu n'arrives pas à les mettre ensemble. Tu fais les rêves, tu les oublies. Alors, ça veut dire quoi? Que toi, tu es victime de la sorcellerie. Parce que Dieu passe par toi, par tes rêves, pour te donner des messages qui sont très importants. Maintenant, le sorcier, l'esprit impur vient pour voler ces rêves-là. Vient pour voler ces révélations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je proclame le sang de Jésus sur tes rêves. Si tu es victime, reçois cette liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me regarde? Je dis bien des partages. Ne laisse pas le temps passer. Je parle des partages au nom puissant de Jésus. Sois béni, Inès. Inès, sois béni. Alléluia, alléluia. Zokabaya Sata. Quelqu'un vient de me dire une personne vient de me dire qu'elle oublie toujours ses rêves. Didi, say that I always forget my dreams. Yes, Didi, you are a victim, witchcraft victim. Witches and wizards are working on you. They do not want you to remember the plan of God in your life. They do not want you to remember the revelation that God gave you through the dreams. Hallelujah. That's what it is. But I cover you with the blood of Jesus Christ. I'm talking about D.D. in the name of Jesus. Que quelqu'un reçoive sa délivrance. Que quelqu'un reçoive sa percée. Que quelqu'un reçoive sa délivrance maintenant, ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu oublies tes rêves. Ce n'est pas simple. Les sorciers sont en train de voler tes rêves. Hallelujah. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tes rêves te soient restaurés. Dans le nom de Jésus, sois délivré. Toi qui me regardes en ce moment, dont les rêves sont oubliés, sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Toi qui me regardes actuellement, dont les rêves sont déviés, sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager notre vidéo ce matin? Quelqu'un peut partager notre vidéo ce matin? J'attends. Quelqu'un partage notre vidéo ce matin dans le nom puissant de Jésus. Notre taux de partage est très bas ce matin. Il faut qu'on partage. Rekabaya sanda, rende boko sika babaya sende, randa barada baya sende babo yosuka, rende boriera baya sende be, rende be. In the mighty name of Jesus Christ, Father God, we exalt your name. Father God, we magnify your name. Father God, we lift you up. Quelqu'un n'a qu'à partager. Nous te bénissons, Éternel Dieu des armées. Personne comme toi, lui ne peut s'égaler à toi. Tu es unique à ton genre. C'est toi le lion de la tribu de Juda, le Dieu des cieux, le Dieu de paix et de bonté. Rakabaya Sada. Les partages. Alléluia. Miss Beraka, sois bénie. Il faut partager. Marie Uriel, sois bénie. Il faut partager. Qui encore? Rebecca Bakalag, sois béni, il faut partager. Alléluia. Rokia, tu continues de partager. Alphonsine Ziga, continue de partager. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Quelqu'un me regarde ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta percée. Rata kabaya shende boria da bayasa. Alléluia. Partageons. Alléluia. Dans ton rêve, je vois quelqu'un. Dans ton rêve, regarde, tu voyage, mais tu n'arrives jamais à destination. Voici un des rêves que je vais expliquer. Voici un des mauvais rêves que je vais expliquer. Tu voyages, mais tu n'arrives pas à ta destination. Tu voyages, mais le voyage ne finit jamais. C'est comme souvent, tu te retrouves dans un car. Et le car est en train d'aller quelque part, mais le car n'arrive jamais. Tu es dans un avion, l'avion n'arrive jamais. Tu es sur un vélo, ça n'arrive jamais. Ça veut dire que tu es en train de marcher. Tu es en train d'aller quelque part, mais tu n'arrives jamais sur
sur le lieu où tu es en train de partir. Alléluia. Il y a un esprit du non-accomplissement qui se manifeste. Dieu est en train de te dire que, regarde, tu as il y a un esprit du de non-accomplissement qui est où dans ta vie, ou qui est en train de te poursuivre, ou bien qui est en train de te chercher. Alléluia. Est-ce que tu entends ici? Un esprit du non-accomplissement. C'est-à-dire que dans ton dans tes rêves, tu voyages, mais tu n'arrives jamais à destination. Ça veut dire que ta vie est une vie qui commence les choses et ces choses n'arrivent jamais à leur fin. Est-ce que tu entends? Tu commences les choses, tu investis, tu commences à construire, tu commences à bâtir, mais tu n'arrives jamais à la fin. Tu n'arrives jamais, tu n'accomplis jamais, tu n'aboutis jamais, tu n'arrives jamais à réaliser. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, dans tes rêves, tu voyages, tu n'arrives pas à destination. Voici vraiment l'explication de tes rêves. Ça veut dire que tu as un esprit du non-accomplissement, ou bien l'esprit du non-accomplissement est derrière toi et en train de te poursuivre. Alléluia, alléluia. Si c'est toi, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Toi qui es concerné par ce rêve, toi qui es concerné par ce songe, reçois ta délivrance. Désormais, tu vas faire le même songe, mais tu vas arriver à destination. Tu vas arriver à ta destination dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les autres rêves dont j'ai parlé, que les gens qui sont en train de marcher pieds nus, ceux dont leur vie est incertaine, ceux dont leur vie est instable, ceux dont leur vie n'est pas protégée, je tends la main dans ta vie, reçois ta liberté. Désormais, tu vas faire le rêve et tu auras les chaussures à tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qu'ils se retrouvent dans les maisons inachevées. Ce qui veut dire que ta vie est complète. Dans le nom de Jésus, je te ramène dans ces songes. Je te renvoie dans ces songes. Tu vas refaire les songes et tu vas finir de bâtir ces maisons. Tu vas finir de bâtir ces maisons. Ou bien tu vas voir que ces maisons ont été complétées. Dans le nom de Jésus, quelqu'un crie Amen. Alléluia. Roba baba baya sanda baya kemo. Remba baya sanda baya sanda. Alléluia. Il y a un rêve qui est là. C'est un peu long. Je n'arrive pas à tout lire. Il y a quelqu'un qui vient de parler de son rêve. Descendre de monter dans le wagon. Ok, je vais parler à Josette Gosset. Josette Gosset, tu as demandé l'explication de ton rêve. Josette Gosset, l'explication de ton rêve, c'est très simple. Est-ce que tu m'entends? Les enfants sont attaqués. Les enfants sont attaqués et un des enfants va s'en sortir, mais ça sera difficile pour la fille. Ça sera difficile pour la fille. Est-ce que tu m'entends? Alléluia, Josette. Josette Gosset, si tu m'entends, voilà, les deux filles dans la cabine du chauffeur et mon fils est monté dans un autre wagon. Lorsque le chauffeur est arrivé, il m'a demandé de descendre et de monter dans le wagon des passagers. Et quand je suis descendu, il a fermé les portes et il est parti avec les enfants. Après cela, le fils est revenu me chercher sans ses soeurs. Alléluia. C'est très simple. Comme je le disais, ce sont les enfants qui sont attaqués ensemble. Les enfants sont attaqués et ça ne sera pas facile pour les filles. Ça ne sera pas facile pour les filles. Mais regarde, quand Dieu révèle, c'est parce que Dieu a la solution. Voilà pourquoi il a révélé. Donc, je vais t'expliquer ce que je vois pendant que je lis. C'est que l'attaque va venir de quelqu'un que toi tu connais. Parce que toi aussi tu étais dans le wagon. L'attaque va venir de quelqu'un que tu connais. Mais ce qui va se passer est que les enfants seront les targets. Les enfants seront ceux-là qu'ils veulent attaquer. Maintenant, pendant les attaques, ce qui va se passer est que les filles auront, tous les enfants seront attaqués. Le jeune, le garçon, voilà, le garçon va se sauver, mais ça sera difficile pour les filles. Alléluia. Je tends ma main dans la vie de ta maison. Josette Gosset, reçois la délivrance.
dans le nom puissant de Jésus. Je protège toi et tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Soyez protégés et que ce rêve que tu as vu, ce rêve que Dieu t'a montré, c'est un mauvais rêve. Dieu t'a montré pour que tu combattes cela. Alors je me mets de ton côté et je combats ces rêves. J'annule ces rêves au nom puissant de Jésus. J'ai rêvé que mon beau-père est mort. Alléluia. Rende beau rêve qu'on m'a donné de l'argent. De nouveaux billets, ce sont les hommes de France. Rababaya Sanda, Rende Bobo, Rende Baya Shanda, Baya Sende Boke Shita, Kabarada Baya Sanda, Rende Bobo Kosi, Kabarada Baya Sanda. Je rêve que mon beau-père est mort. Ok, il y a des rêves, l'explication de ces rêves dépend de la circonstance et de l'atmosphère. Alléluia, le beau-père est mort. Ma question, c'est celle-ci. Alors, quelle est la relation entre toi et te. Comment est la relation entre toi et ton beau-père? Est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que c'est une mauvaise relation? Voilà. Si c'est une bonne relation, écoute-moi très bien. Si c'est une bonne relation, il faut commencer à prier pour ton beau-père. Mais s'il y a une mauvaise relation entre vous, si vraiment il y a... Il y a une mauvaise relation entre vous et que c'est ton beau-père qui est à la base des situations que tu traverses dans le foyer ou bien... C'est-à-dire que s'il est contre toi, s'il est contre le foyer, alors le rêve que Dieu t'a montré, c'est une délivrance. Ça veut dire que s'il n'arrête pas, quelque chose de mal va lui arriver. Est-ce que tu entends? Donc ça dépend de la relation entre toi et ton beau-père. Alors comment est cette relation? Est-ce qu'il y a une entente, une compréhension, un amour qui est là? Ou bien c'est la haine, une incompréhension et une division? Quand s'il y a une entente, il faut prier pour le beau-père. Et hein, il faut prier pour le beau-père. S'il n'y a pas d'entente, c'est pour te dire que s'il n'arrête pas ce qu'il est en train de faire contre le foyer, contre la maison, lui, il va avoir les problèmes. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé les rêves. A demandé l'explication. Alléluia. Papa, tu n'as pas encore expliqué pour moi. Ange Tra. Alléluia. Vous voyez, les commentaires passent très vite. Les commentaires passent très vite. Donc, si je n'ai pas expliqué pour toi, vraiment, pardonne-moi. Il faut essayer de remettre encore sur le truc. Alléluia. Je me vois en train de faire des rapports. Alléluia. Quelqu'un qui a des rapports dans son rêve. Le rêve est simple. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as un foyer, un mariage dans le spirituel. Tu as un foyer, tu as un mariage dans le spirituel. Et c'est ça qui fait cela. Et ce n'est pas bon parce que le mariage dans le spirituel va réclamer ses droits. C'est-à-dire que tu vas soutenir. Si tu es un homme et tu entends avoir des rapports dans le spirituel, tu dois soutenir la femme qui est dans le spirituel là-bas. Et vice-versa. Si tu es aussi une femme. Donc, ce qui se passe est que tu es en train de vivre deux vies. Je parle de celle ou celui qui a eu des rêves, qui a des rêves où il y a des rapports spirituels. Ce qui se passe est que vraiment ta vie dans le monde naturel actuellement sera il aura beaucoup de retard, il aura beaucoup de retard, tu seras très lent dans beaucoup de choses parce que le foyer dans le spirituel ne veut pas, va t'empêcher d'avancer dans ta vie normale. Est-ce que tu entends? Le foyer dans le spirituel va te rendre très tu n'auras pas de chance dans beaucoup de choses. Tout ce que tu vas essayer ne va pas marcher. Ta vie sera une vie misérable. Tu commences des choses, les choses n'aboutissent pas parce que ta vie est réclamée dans le foyer spirituel. Alléluia, 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 alléluia. Mes commentaires ne bougent pas. Ok. Rokiatou, je reçois ma délivrance dans le nom de Jésus. Mes commentaires ne bougent pas. Rebecca Bacalade, faut copier et puis tu refais le commentaire. Tu copies ce que tu avais fait et puis tu ramènes. Merci Éternel Dieu des armées. Roka baya sata, ridebo kosoke baya sata, randa baya shende bobo, redebo, redebo, redebo. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Amen, Josette. Les enfants sont couverts du sang de Jésus. Marie Uriel, je reçois ma délivrance. Alléluia. Anstra, rapport sexuel. Oui, c'est déjà réglé. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je vois quelqu'un, tu fais des rêves et dans les rêves, tu es enceinte dans tes rêves. Alléluia.
Tu es enceinte dans tes rêves. In the mighty name of Jesus. Comme le temps est arrivé, on va continuer demain matin. On va continuer demain matin. Alléluia. Si tu as envoyé tes rêves et tes rêves n'ont pas eu vraiment de réponse ou bien d'explication, tu peux essayer d'envoyer ça sur mon WhatsApp un peu aujourd'hui, après. Alléluia. Oh yes, I received my deliverance. J'ai rêvé quand on m'a donné l'argent. Ok. Marie Uriel. Alléluia. Marie Uriel, l'argent qu'on t'a donné de nouveaux biens, c'est un bon rêve. Alléluia. C'est un bon rêve. Alléluia. On t'a donné de nouveaux biens. Alléluia. Tu as une nouvelle opportunité qui arrive vers toi. Et cette nouvelle opportunité sera opportunité financière. Peut-être qu'un nouveau boulot, peut-être qu'une promotion, vraiment, ou bien que, tu vois, non? Donc, ça, c'est Marie Uriel. C'est ce que tu as vu en argent avec de nouveaux biens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Sapom, tu as perdu ta vie de rêve. Les choses sont bloquées. Les rêves ne sont plus là. Tu ne vois plus rien. Alléluia, que ces rêves soient restaurés à partir de ce soir, de cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Et que tu recommences à rêver encore dans le nom de Jésus. Miss Beraka, lorsque tu rêves et tu te retrouves dans ton école primaire, ta vie est en arrière. Ça veut dire que ta vie est en retard. L'école primaire, mais à ton âge, ça veut dire que ta vie est en arrière. Ton âme est restée en arrière dans l'école primaire. L'école primaire veut dire une ancienne vie, un ancien truc, un ancien ce que tu faisais avant. Ça veut dire que tu rêves et tu te retrouves parmi les amis de 10 ans, des amis de 9 ans, les amis de 11 ans. Dans une école primaire, ça veut dire que ta vie est retardée. Que ce soit la vie maritale, la vie financière, la vie, toute ta vie, tout est retardé. C'est ce que ça veut dire. Que tu n'es pas au niveau où tu devais être à cet âge. C'est ce que cela veut dire. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que notre une heure est faite. Alléluia. On va arrêter là. Je vous donne rendez-vous demain matin de 6h à 7h. Nous allons encore aller à travers les rêves. Demain, on ne va pas vraiment faire trop d'introduction. On va aller directement dans les rêves pour qu'on puisse expliquer beaucoup de rêves. Alléluia, alléluia. Alors, passez une très bonne journée. Que tout se passe bien pour vous. Que tout se passe bien pour vos enfants et on se retrouve demain matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci roi des rois, merci Dieu de paix et de bonté, merci Dieu de fidélité. Il n'y a personne comme toi. Allez, je vous aime beaucoup. Je vais vous laisser. In the mighty name of Jesus Christ. Rakabaya sede boro reboye kende. Alléluia. À demain. Vous êtes couverts du sang de Jésus. Soit sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Yes, we don't serve a dead God. Serve the mighty God who is the same yesterday, today, and forever. Let the favor of God locate you where you are right now in the mighty name of Jesus Christ.